Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Morrowind et c'est parti pour la suite du jeu où je vais donc aller à Balmora ou plus précisément surtout... Ah si, je vais aller à Balmora déjà vendre pour mon petit Khajiit des petits parchemins de... Deux petits parchemins, j'en ai plusieurs. Et je vais ensuite aller dans ma maison histoire de remettre toutes les... tous les trucs que j'ai obtenus jusqu'à présent. Tout ce qui est... ingrédients pour l'alchimie. Mes gemmes spirituelles, tout ça. Je suis à Vivec, là. Je ne suis pas à Balmora. Je suis dans les airs. Amène-moi à Balmora. Je suis à Dieu, je vole. Hop, merci. Direction le petit Khajiit. Voilà. On continue à faire des petites invocations dans le chemin. Hop. Salut. Alors, marchander, je vais te vendre des trucs. Qu'est-ce que j'ai de plus? Voilà, j'en ai plein de ça, je t'en vends 3. Non, 2 seulement. Comment je connais 2, j'ai dit. 2! Tu vas y arriver, courage, oui, bravo, wouhou! Tadadada! Ouais, bon, si tu veux, et je te vends un dernier petit truc. J'ai déjà un parchemin à la con, à mon avis, il doit bien en avoir un. Oh, bénédiction du guerrier. Et je t'augmente ça jusqu'à 600 balles proposées. Merci. Alors, est-ce que t'as un truc en plus? Tac. Non. Parce qu'on m'avait dit que je pouvais, au bout d'un moment, en force d'acheter ou de vendre au même endroit, faire en sorte d'investir dans le magasin. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas avec lui pour le moment. Je sais même pas si c'est possible avec lui. Mais bon. Je m'en sors très bien là. J'arrive à prendre des petits objets d'Edric maintenant et de me balader avec. Alors je vais ranger dans mon manoir tout ce qu'il y a à ranger. Il y a quand même une petite trotte. D'ailleurs, je pense que les dernières missions de la maison des Lalu où je devais tuer des mecs pour. Merci pour la vocation. Pour tuer des mecs pour dans les autres places fortes, à mon avis, je pense que ça aurait été, si j'avais choisi ces autres temples, ma place forte aurait été dans une de ces deux endroits. Je pense. Hop ici. Salut petit gars, salut petit gars, y'a pas un... Fous-moi la paix. Ça c'est donc tous mes œufs avec une jupe, ouais bon trop pas. Ah allez foutez. Merci. Alors, hop, urne. On va faire. Ah oui, j'avais aussi 12 œufs de machin. Pas étonnant que ça commence à peser lourd. Du coup là c'est déjà plus léger. Ouh, c'est marrant. Alors, hop, ça, on continue. Hop, hop. Tac, tac, tac. Hop. Putain, j'en ai des trucs. En même temps, si je commence à reprendre de nouveau tous les... Ah ouais, ça soulage quand même, hein. Ça pesait quand même son poids, ces conneries, hein. Ah oui, j'avais ça à vendre aussi, j'ai pas vu. Ça. Vu que j'en ai deux. Bon, ça pèse 5, ça va. C'est pas non plus extraordinaire, mais c'est quand même un truc à vendre. Hop. Le dernier. Presque les derniers. Là. Ah non, je les ai enfermés dans mon truc. Donc tout ça, c'est à vendre, ça. Et ça. Oui, ça, c'est à vendre. Puisque j'avais enfermé ici mon coffre qui ne me sert à rien. Alors, coffre verrouillé, je remets ça. Voilà. J'enferme. Bah alors, pourquoi tu peux pas aller... Bon, tant pis. Hop, t'enfermes mes rubis. Bon, si tu veux. Je sais pas pourquoi je peux pas enfermer mes rubis là. Mes diamants. Là,
Je récupère mes 38 diamants. Ça, je vais le mettre dans le même. Voilà. Donc, c'est... Quoi, l'objet n'entre pas ? Bon, bah, si tu veux, bah, les diamants, je les fous là. Donc, ça, c'est fait. Alors, maintenant, pourquoi je pèse toujours autant ? À cause de mes potions... Ah oui, mais oui, évidemment. Ah là. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Je pèse déjà beaucoup moins lourd. Les pièces d'Oamer, ça... Si je les balance là, c'est quand même combien? Ce n'est pas négligeable, hein. Allez, je vais les mettre là, les plus gestion, merde, c'est pas grave. Je peux pas les mettre dans mon petit coffre, là? Ça reste des objets du même genre, voilà, ça reste à peu près du même genre. Putain, 169 000, wouhou, je suis riche! Mais je veux plus, de flouze! 169 000, bah, je peux même... déposer de l'argent là-dedans, dans mon coffre. Et je vais poser 100 000 balles. Je vais poser 5000 balles dans mon coffre, histoire de ne pas me balader avec autant de flouze. Oh non, je vais les garder sur moi, ça sert à rien. Quand les garder sur soi, on sait jamais. S'il y a quelque chose de super cher qui se vend, dégagez de mon chemin. Sinon je vous tue, vous êtes sur ma propriété, je fais ce que je veux. Voilà, donc ça c'est fait, donc de nouveau, on va aller là-bas. Donc je vais en profiter pour faire... Là, à mon avis, le plus près, avec un peu de chance, c'est Balmora. Croise les doigts. Dis-moi que c'est Balmora. C'est Balmora. Wouhou ! Et on continue donc l'exploration. J'en profite pour virer ça en mettant ça. Guérison d'agent. Guérison de maladie commune. Guérison de maladie. Bon, tout ça on s'en fout maintenant. Hein. Là. Bas. Et il faut automatiquement monter. Donc du coup, je vais devoir lancer un sort de lévitation. Raté! Ah, vous faites chier. Bon, tant pis, je vais faire le tour comme ça. Vous faites chier! Je n'ai pas encore assez de. Mon niveau en mysticisme, je crois. C'est le mysticisme, l'habitation. Altération. N'est pas assez élevé. En même temps, à mon avis, c'est toi, ça doit être un. Ah, mais en fait, je vais totalement l'opposer, quoi. Allez, je vais me reposer ici. Récupération totale. Comment as-tu osé me frapper? Tu vas sortir ton arme. Voilà. Alors. Voilà. Ah, j'ai la flemme de faire le tour en fait. Je vous remarque que je vais totalement l'opposer ici. Allez, marche. T'as de la distance, mais tu peux y arriver, mon petit Khajiit. Je vole. Très pratique, la lévitation dans ce monde. Ils ont bien fait de l'ajouter. Hop. De nouveau, sur la terre ferme. Je peux donc descendre du bon côté, maintenant. Je descends de la montagne à pince à pied. Je descends de la montagne mais à pied. Après tout, y a pas de cheval, alors je fais avec ce que j'ai. Le seul truc que j'ai, ben c'est mes pieds. Tout droit. Vas-y, explore cette zone. Voilà, zone explorée. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien dans... ici? Une petite crotte, quelque chose. C'est ce... Le jour, je veux visiter ça le jour. Merci. On voit quand même beaucoup mieux. Ouh, ninja sur le rat. Oh, je t'ai défoncé, petit rat. Bon, il a fallu deux coups, mais je suis quand même défoncé. Bah ça, j'ai déjà visité, donc c'est plutôt par là qu'il faut aller. Il y a un panneau. Superbe panneau. Alors, la drune, il existe, me boira, machin. Tout ça, c'est des villes que j'ai déjà visitées.
Ouais, là-bas. Tu m'énerves. Pas marcher en paix sans se faire attaquer toutes les 10 secondes. Alors ici. Petit chien. Oh! Un fort. Ah non! C'est pas qu'un simple fort. Ça c'est cool ça. Ah, en plus ça c'est marqué sur la carte. Holmaren. Alors, comment on y rentre dans cette connerie? Mais alors? Y'a pas d'entrée? Pas d'escalier pour monter tout en haut? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ou bien je grimpe comme ça, tranquillou, hein. Ça marche aussi, hein. Je voulais prendre les escaliers, mais bon, il y en a pas, hein. Dit-il quand il se rend compte que les escaliers sont sur le dernier tour. Non, c'est pas ça. Ah si. Alors, trois trucs. Alors, toujours le même endroit dont je n'ai toujours pas compris. Là, c'est la salle du portail. Il faut... Voilà, vous possédez pas l'index correspondant à ce portail. Je sais pas ce que c'est. Peut-être que ça va être me dévoiler au fur et à mesure de l'histoire, j'espère. Je sais pas ce que c'est. Ritzel. Qu'est-ce que ça, je prends, évidemment. Diamant, je prends. Ritzel. Ça, on s'en fout. Et ça, une pièce. Et là, c'est Amulette des Espoirs Sanglants. Oh, ça, c'est du bon nom. Alors déjà, désespoir, c'est pas assez fort, c'est en plus sanglant, quoi, le truc. Amulette du désespoir, non. C'est pas assez puissant. Sanglant. Oh oui, là on sent bien le désespoir. Bien de tout. Gros petit neuf. Petit neuf. Ça je prends, évidemment. Ça je prends. Et ça, en tout cas, faisant un de qualité. Hop, ça je prends. Bon, allons explorer donc ce petit truc. On se regarde avant d'entrer. Et on rentre. Coucou! Mais tu as un marteau d'orque. Hein. Ah, en plus vous êtes deux quoi, mais vous êtes des lâches. Tu me tapais dans le dos, parce que je t'avais pas vu. Ouais, ton petit cure-dent, je le sentais même pas dans mon dos. Alors, tu as quoi? 20 pièces, bon, on va dire que ça va. J'ai pas vu le poids, mais c'est pas grave, un marteau, c'est un peu lourd. Marteau, c'est le plus lourd. Non, 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 non. Je pourrais déménager une fois tout ce que j'avais mis dans la maison de Cassius. Ouais, en gros, c'est tabasser tout ce que vous voyez, quoi. Je sais jamais, j'ai toujours peur, en fait. Vu qu'il y a un temps de latence, j'ai toujours peur que ça soit des gentils. J'ai pas envie de tuer des gens qui ne le méritent pas. Non, on m'a pas vu. Coup critique quand même, c'est écrit. Discrétion 65, ça va, seulement discrètement. Je pourrais avancer dans la ligue des voleurs, comme ça. Plus tard. Ça, je prends. Grison de poison varié. Ça, je prends. Brisure de. Oh non, c'est pas le même. Sature de force d'orc. Moi, je vois sature de force, mais permanent, quoi. Effet constant. Plume max. Je pourrais limite enchanter une robe exprès avec ça, quoi. C'est vrai que la robe que je porte, elle est enchantée, mais elle me sert à rien. Je sais même plus comment on enchante, en fait. C'est pas en double cliquant sur... Non, on va faire une boulette. Sauvegarde rapide. C'est pas en double cliquant sur enchant. C'est ça. Chargé en un, créé un objet enchanté, c'est ça. Ah ouais, bah c'est ça. Il n'y a pas plume. Plume, ouais. Fait réduit temporairement la charge portée pour le surjet. Plume, voilà.
Contact, perso, distance, contact, perso. Ah, perso, voilà. Normalement, c'est... Ah non, il n'y a pas... Oh, je chercherai plus tard, on s'en fout. C'est pas plus urgent, ce n'est pas le plus urgent. Tiens. Oui, 81, c'est déjà pas mal. Plus que 19 niveaux pour que ça soit au max. On va voir ce qu'elle a sur elle. Oh, 7 pièces d'or. 7 pièces d'or, ce n'est pas mal. Ouais, maintenant, ça m'intrigue maintenant, le truc... Bon, tant pis. Ça m'intrigue. Parce que je sais pas s'il y a plus, mais... Constance que perso, ce n'est pas... Ouais, t'as distance ou perso. Il n'y a pas... Ah, c'est chiant. Alors, ah, vas-y, multimur à la con. Porte en bois ou étage inférieur. Souterrain. Ok, donc il y a autre niveau et souterrain. Je continue mon tour. T. Soit j'étais pas assez prêt. J'ai juste loupé mon coup comme une buse, ce qui m'étonnerait pas. Or, au coffre. Potion de rappel. Regain de force, c'est pas pris. Je prends évidemment. Potion de rappel, je n'ai pas besoin. Or, comment c'est des vêtements hein. Ah, pardon, je t'avais pas vu. Excuse-moi, excuse-moi. Tu veux ta baffe aussi? Je peux comprendre parfaitement que tu as envie de prendre une baffe. Alors, gros neuf, petit neuf. Neuf. Riz de sel. Petit neuf. Riz de sel. Pantalon, je pensais que c'était un bout de pain en fait. Bon, pourquoi pas. Bon, allez, ici c'est fait. Ah, parchemin. Fortifier intelligence. Non, d'ailleurs, ça fout. Hop, salut. On continue. Salut! Oh, une dague enchantée, paralysie de verre. T'as un murmure lourd, vas-y, enchaîne, enchaîne. Ça c'est bien, par contre une dague en verre, ça se vend. Tu peux me lâcher, deux secondes, s'il te plaît. Allez, pitié, lâchez-moi. De me battre à cause d'avoir mis paralysie. D'un côté, c'est pas si bête. Hein. Je pourrais mettre paralysie sur une de mes lames contre les boss. Paralysie, paralysie, paralysie. Ah non, je peux plus bouger. Ah non, je ne peux plus bouger. Ce serait tellement rigolo. Enfin, je dis ça, mais les boss, on croise pas de boss. En même temps, j'avance pas trop dans le jeu non plus. Alors ça, bah, évidemment, bah, je prends. Hein. Prends mes pièces, je vais prendre toutes les. Voilà, j'ai fait le tour, presque. Alors, porte en bois, solide porte en bois. Chance sur deux. Y aura-t-il quelqu'un? Oui, j'ai réussi à faire le tour. Voilà. À moi. Je m'en fous. Allez, vas-y. Et voilà. Alors, panier. Riz de sel, comme d'habitude. Pas de truc très particulier. Ah! Raison de maladie avariée, peau de verre, blablabla. Anémie. Non, hein, toi d'abord. Oui, je sais que je vais mourir, mais comme tout le monde meurt un jour ou l'autre. Hein. C'est juste certains qui meurent plus vite que d'autres. Comme toi. Oui, bon d'accord, je devrais pas faire le malin vu la quantité de vie qui me reste, mais ce n'est pas grave, ce n'est qu'un détail. C'est vrai que je pourrais aussi faire des pendentifs enchantés et des bagues enchantées de malades. Alors, je m'en fous. Je m'en fous. Commode, mort ordinaire, coffre. Livre des draps, fleurs spécifiques, tomberelle. Ah, ça va marcher.
Non, non, pas celui-là, l'autre. Et potion de force. Hop, merci. Ouh, 65. Là, ça sent le truc de malade. C'est marrant, mais je pense pas. Ah, si, pas mal. Et avec une clé dans le coffre. Où t'as mis la clé? Dans le coffre. Ouais, mais où est la clé du coffre? Dans le coffre. Hein? Comme dans Lucky Luke. Ouais, je sais, j'ai une drôle de culture, mais il y a un film, Lucky Luke, bah, un film, un long métrage, mais en dessin animé, où les Dalton ouvrent leur propre banque et cherchent à installer un coffre-fort. Et le coffre-fort, bah, il a besoin d'une clé. Et Avril est tellement con qu'il trouve comme idée de foutre, pour protéger la clé, de la mettre et ben dans le coffre. Donc du coup le coffre ne peut plus être ouvert. Du coup ils sont obligés de la défoncer à coup de dynamite à chaque fois. Je ne t'avais point vu. Je ne t'avais point vu. Je ne t'avais point vu. Meurs. Bah fait. Ah encore un coup. Mais dis donc. C'est quoi ces méchants là qui arrêtent de me frapper? Oh dessous. Oh crochet apprenti, c'est bien ça. Je m'en fous. Je m'en fous. Suivant. Oui, dessous. Le mec, il a 160 000 de fous sur lui, mais il peut pas s'empêcher. Continuer à prendre les 14 pièces d'or qui croisent. Et bon, pour ma défense, on est où, je suis pas le seul à le faire. Imaginez qu'il me reste juste, qu'il me manque justement 14 pièces d'or, hein? Moi là, je les aurais. Gain de force, ça se prend automatiquement. Pose des sorts à la con ou qui nous empêche des fois d'être de bouger et ça. Ok. Wesh! Aïe! J'ai mal. J'ai boîte matinale. J'ai mal. Alors, coffre, que dalle. Coffre, que dalle. Potion de sous-bradé. Youhou, j'ai sauté comme un malade. Bing, boing, boing. Alors, parchemin de marche aérienne, lévitation. Oh, plus 1000 balles, là, ça se prend. Hein. Ça s'en sert pas. Même si je ne m'en sers pas, ça se vend. Jambière. Pourquoi y'a un truc? Ah, Mac, ok, j'ai rien dit. Ça, on s'en fout, et on s'en fout, on a fini. Suivant. Allez. Ne te retourne pas. J'ai tué tous tes potes, hein. Mais ne te retourne pas. Non, j'essaie de pas te retourner, t'es chiant. Pour la peine, j'ai tué en deux coups. Et pour la peine, j'ai piqué tes économies. Putain, t'en avais des trucs sur toi. J'étais un guerrier de compète avant que tu me défonces. Une guerrière, pardon. Ah putain, t'es chiante. Aïe. La petite lame, ça fait mal. Hop, 13 pièces d'or, 13. Hop, merci. Tac, 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 et tac. Suivant. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Oh, tout est défoncé. C'est toi qui as-tu défoncé? Mais t'as pas honte? C'est comme ça que tu ranges ta chambre? Va ranger ta chambre. Dit-il alors que la sienne est totalement bordélique. Mais un truc de fou. Mais bon. Ce n'est qu'un détail. Alors, tonneau, une pièce d'or, une, avec une ceinture enchantée qui appelle le squelette de clenchement. Hop. Ouverture, pouf. On s'en fout. Caisse. Deux pièces d'or. Fortifié, on s'en fout. Serviteur squelette, on s'en fout. Ça, je prends. Ça, non plus.
Et on s'en fout. Ça fait magnifique. Hop, on continue. Vous allez y avoir droit, mais toi aussi tu vas y avoir droit, mon coco. Tiens, et tiens, meurs dans notre souffrance. Ça, je prends. Hop, 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 hop. Raté. Non, je veux pas aller, je m'en fous des godasses. Non, c'est les pièces d'or qui m'intéressent, voyons. Alors, 4 pièces d'or aussi. Enfin, c'est bon. Au suivant. Alors, prédiction du guerrier, j'en ai déjà vendu. Papier. Ah ouais, je vais prendre le papier. Pour noter une formule magique. On peut pas y prendre un papier et écrire une connerie, ça serait rigolo. Bon, pour est-ce que personne ne le lirait, parce qu'on est dans un jeu qui est pas du tout multijoueur, mais juste pour le fun, ça pourrait être marrant. Hop. Allez. Voilà, ça c'est fait. Comment je l'ai défoncé la tête? Flèche de feu. Deux flèches de feu. Alors ça c'est, j'ai été bradé, chance de, hop, une pièce, cinq pièces, une pièce, une pièce. Chambre close. Savon, machin, faire de l'alchimie avec. Ça on s'en fout. Et ça, alors, va... ah on voit pas les potions, trop bien. Bah tant pis. Non. Ça je prends. Ça je prends. Ça je prends. M'en fous, m'en fous. M'en fous, m'en fous, m'en fous, m'en fous, m'en fous. Bon, eh bien, je vais arrêter cet épisode ici et visiter le souterrain dans un prochain épisode. Donc, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire, de cliquer sur j'aime, de faire un petit tour sur notre page Facebook. Et je vous dis donc à un prochain épisode pour la suite de Morrowind. Salut tout le monde!